Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans la suite de mon let's play sur Nest Remix. Donc aujourd'hui on va continuer un peu à progresser dans la recherche des étoiles. Là je vois donc Zelda, je voyais aussi Baseball, Ice Climbers, j'ai cru apercevoir Punch Out, je sais pas trop. Je sais qu'il y a Pinball aussi, j'ai vu. C'est que des jeux NES bien connus, de licence Nintendo. Et donc en fait je pense qu'on va finir par les débloquer, mais pour l'instant... Bah pas pour l'instant en tout cas. Ah bah là il en reste plus que deux avant de débloquer la suite. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Je sais pas, un peu de Mario Bros, tiens, pour changer. Même si je déteste la physique de Super Mario Bros. Enfin de Mario Bros, pas de Super Mario Bros. Allez, voilà. Là les petits crabes. En plus ils ont même reproduit les bugs graphiques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des petits bugs graphiques qui sont même présents là sur les ennemis. C'est fou, regardez là, le crabe il a du mal à apparaître en entier. C'est marrant. Ils auraient pu... Il y a peut-être des gens qui vont dire qu'ils auraient pu les corriger, que c'est vraiment de la flemme de la part de Nintendo, je ne sais quoi, mais je trouve que justement c'est encore plus respecté le... Parce que faut savoir que là c'est pas un remake. C'est... Enfin un peu, mais ça reste les mêmes moteurs de jeu, donc... Non, mince. Donc je trouve ça normal qu'ils aient conservé justement tous ces petits bugs, entre guillemets. Voilà. Allez, toi, demi-tour. Oh non, c'est le crabe que j'ai laissé en vie. C'est celui que j'aurais dû buter. Par contre, c'est un peu abusé, là, leur... Oh non, les flammes, elles apparaissent bien trop vite. Non, 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 non. Ok. Bon, je déteste ce jeu. Je déteste Super Mario Bros. Enfin, Mario Bros. Pourquoi je dis super? En fait, j'aime pas ce jeu parce que la physique est juste horrible. Les sauts sont insupportables. Et c'est assez abusé, je trouve. Bon, c'est bon. On s'en est sorti finalement. Voilà, on va pouvoir débloquer la suite du remix. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a marqué Remix 1. Regardez. Là, il est marqué Remix 1. Donc, ça veut dire qu'il y en a 25, là. Ouais, ok, merci. Allez, voilà. Donc là, il y en a 25. Mais à mon avis, il va y en avoir de l'autre côté 25 autres, je pense. Surtout que là, il y a un petit point qui veut dire qu'il y a d'autres trucs, je pense. Je sais pas s'ils vont avoir mis des Game... Non, j'allais dire s'ils ont mis des Game & Watch, mais ça m'étonnerait. Oula. Ok. Donc oui, en fait, la... Le jeu a été fait de telle sorte qu'en fait les ennemis, une fois qu'on détruit leur ballon, ok donc là en fait je peux plus me repérer, une fois qu'on détruit leur ballon, et bah ils chutent, oh non, ok. Donc une fois qu'on détruit le ballon aux ennemis, ils se mettent à tomber, et en fait quand ils tombent, et bah il faut leur... Si on les re-shoot avant qu'ils aient touché le sol, donc pendant qu'ils sont encore avec un parachute, on gagne des points bonus. Et sinon, si on les shoot une fois qu'ils sont déjà sur le sol, on gagne juste des points normaux, quoi. Mais en fait, on est obligé de le faire, parce que tout simplement, sinon, ils regonflent leur ballon. Et ensuite, ils reviennent nous attaquer. Allez. Voilà, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et mince. Je suis arrivé juste au mauvais moment. En plus, là, il y a de l'orage. Et ça, j'aime pas du tout. Voilà. C'est pas simple, hein. Faut pas croire. Surtout que j'ai l'impression que les trucs, ils s'avancent bien vers moi. Allez. Mince, oh non. Eh, mais c'est super dur, hein. J'ai toujours eu beaucoup de mal à ballon de... Je sais même plus comment ça s'appelle. Ok. Je sais même plus où je suis. Ok. Bon. Tant pis. Allez. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Sinon, je peux peut-être... Ah non, faut pas rester trop près du bas. Parce que voilà, il y a le poisson. Et le poisson, il nous bouffe et il nous tue en un coup. C'est le poisson qui apparaît dans le stage Ice Climber. Me demandez pas pourquoi. Dans Super Smash Bros. Brawl. Allez. Voilà, allez, allez, allez. Non. Voilà. Va-t'en, va-t'en, partez, partez. Oh non. Eh mais, c'est galère, hein. Je sais pas.
Tout à l'heure j'ai failli y arriver, mais là depuis je joue super mal. Allez. Allez. Il y a une inertie de ouf. C'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'elles font les bulles? C'est juste des points. Toi, viens ici. Mince. Oula, c'est bientôt fini, mais l'orage arrive. Et ça, j'aime pas du tout. Mince. Ah oui, sinon on peut le faire tomber directement dans l'eau. Ça le tue aussi. C'est s'il tombe sur le sol que qu'il peut se régénérer. Sinon, non, bien entendu. Voilà. Enfin, on en est venu à bout. C'est pas facile, les jeunesses, hein. Ils ont souvent des contrôles assez compliqués. Le pire sera Ice Climber, vous verrez quand on y sera. Ice Climber, mince, pourquoi j'ai redémarré? Ice Climber, c'est bien, mais ça, comment on dit? Ça a des sauts trop galères. Super Mario Bros, c'est quoi alors? Le stage 2, on va voir, parce que le stage 1 qui était impossible. Ramasser toutes les pièces dans le temps imparti. Ok. Il y en avait juste 4. Bon. Allez. Ouais, je devrais peut-être. Oula! Ouf, c'était moins une. Voilà, parfait. Ouh! Ça, c'est la salle bonus emblématique de Super Mario Bros. C'est la première, je crois, en plus. Bon, c'était pas bien dur par rapport au premier. Le premier, en fait, je pense pas qu'il soit difficile, c'est juste moi qui m'y prenais mal. Voilà. Alors, donc là, remise, non, merci, allez. Donc remix, c'est Mario Bros. Éliminer les ennemis. C'est tout. Oula. Que se passe-t-il? Ouais. Oula. Oula. J'aime pas trop. J'ai du mal à saisir. Je me vois de moins en moins et je suis mort. Waouh. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Mais ouais. Non. Allez. Voilà. Oula, non. Va-t'en, 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 va-t'en. Allez, c'est bon, parfait. Que fait-il maintenant? Il va par là, il arrive par là, ok. Wow, c'est pas mal trouvé, même si c'est assez, enfin, ça devient bizarre, mais c'est pas mal. Oh, le Toad de Super Mario Bros. Alors, bon, on va faire un peu de Excitebike. Allez, le stage 2. Lever la roue pendant 3 secondes sans chuter. Ouais, bon, c'est pas bien dur. Lever la roue pour franchir les obstacles. Ok. Allez. Bon, il n'y a pas d'obstacle. Ah, si, il y a juste. Voilà. Ok. Non, mince. Ok. Et je chute juste à la dernière. Ça, c'est tout moi. Allez. Bon. Pourquoi il y a marqué temp en bas? Ah, c'est. Ok, c'est la température. Voilà. Je comprends enfin, enfin je crois. Température, ouais, je. Ouais, bon, ça paraît très logique. J'ai pas compris ce qu'il disait là. Ouais, allez. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment des turbos, les trucs qu'il y a en bas, mais. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Comme je vous ai dit, je comprends pas trop le jeu. Remix Super Mario Bros, encore une fois. Allez, alors, voilà. Atteignez le drapeau, tout simplement. Oh! Ok, c'est le premier niveau, donc je sais que ici il y a un champi. Voilà. Normalement, il y a un bonus ici, je crois, non? Non, c'est le tuyau d'après. C'est lui. Ouais, ils l'ont peut-être pas mis, justement. Là, il y a deux Goombas. Allez. Ah non, c'est lui alors. Voilà, c'est ça. On s'en moque, on se dépêche.
Prendre les tuyaux, ça bloque pas le temps par contre. Vraiment, il y a un truc quelque part. Ouais. Non. Ah, bah, ah non, c'est déjà la fin. Ok. Voilà. Ok. Moi, c'est. Il y a de super bonnes idées dans le jeu. Par contre, ouais, là, j'ai vraiment pas assuré. Un autre tampon. Oh, Peach. Alors, un peu de Mario Bros, allez. De Super Mario Bros, plutôt. Éliminer le Goomba dans le temps imparti. Allez, viens ici. Voilà. Celui-ci aussi. Ah, je courais pas assez. Voilà. Éliminer les Goombas dans le temps imparti. Mince. Oh non. Je pensais... J'avançais pas assez. Mince. Ok. Ça commence bien. Bon, on va y aller doucement. Allez. Voilà. Normalement. Tranquillement. Oula. Lui, il était mal placé. Exprès. Oh, 3 étoiles. Ça me surprend. Je trouve qu'au niveau de la façon dont ils donnent les étoiles, c'est un peu trop facile. Je trouve que des fois, ça m'a l'air même impossible d'avoir une seule étoile. Alors, qu'est-ce que c'est? Excitebike dans le noir? Ouais. Boucler un tour. Allez. J'imagine sans tomber. Ouais. Voilà, j'ai toujours eu du mal à me réceptionner en fait dans Excitebike. Voilà, apparemment c'est bon. Bon, pour l'instant ça va. Par contre, je loupe un peu les tremplins, ça c'est bien dommage. Ah. Bon, ça va. En fait, je crois pas que je me débrouille si mal en fait. Premier tour fini, ouais, bah, il n'y en avait qu'un seul. 2 étoiles. Oh, Bowser! Alors. Ah, c'est marrant, ça a récupéré le message de quelqu'un. Ah, c'est bien d'avoir d'avoir même de l'interaction univers ici, avec son temps et tout, comme ça je peux m'amuser à le battre, même si c'est déjà le cas. On va refaire du Donkey Kong, allez. Aidez-vous du marteau pour te diviser 3000 points. Je sais pas s'il me laisse tout le temps le marteau ou quoi, mais j'aimerais bien. Oh bah ça va pas être dur, là je suis déjà à la moitié. Par contre il y a pas assez de tonneaux, mais je peux les avoir comme ça normalement. Voilà. Oh, ok. Bon. Normalement on peut avoir les tonneaux qui sont au-dessus de soi. Voilà. Comme ça. Allez. Bon, maintenant ça va être difficile, enfin ça va pas être dur, mais ça va être long surtout. Parce que là, 100 points à chaque fois. Ah, mais il y a un autre marteau! J'avais complètement oublié. Ouais, non. Voilà, bon, ça va. Allez. Bon, plus qu'un. Ah bah c'est bon, en plus celui du dessus. Et celui du dessous. Alors. On avait pas beaucoup de points, non? Oh si, bon ça va. Stage 10. Ouais, allez, qu'est-ce que c'est? J'ai pas eu le temps de bien voir. Super Mario Bros. Super Mario Bros dans la neige. Oh! Super Mario Bros qui glisse encore plus que d'habitude, mon dieu. Jacques Super. Oh mon dieu, on dirait presque qu'il fait du patin. Et c'est le niveau avec le Latitude. Ok, super. Bon. Pff, ok. Normalement, je le connais ce niveau, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit champi. Là, il y en a un quelque part, mais il est peut-être en hauteur. Oula! Et Mario ne peut vraiment plus s'arrêter. Mais genre, pas du tout. Bon. Mario ne peut plus s'arrêter, alors on s'arrête pas. Allez. Vas-y. Non mais ça par contre je trouve ça abusé d'avoir mis des Koopas comme ça, enfin des plantes de piranha comme ça que la première fois que tu fais le niveau tu sais pas qu'elles sont là donc t'es obligé de te faire toucher. Je trouve ça vraiment abusé.
Voilà. Donc apparemment, il n'y a pas d'autre moyen que... Je sais pas comment j'aurais pu faire là. Franchement, je sais pas du tout. Allez. Il y a vraiment des trucs pas mal difficiles, hein, je trouve. Comme ça, par exemple. Normalement, il doit y avoir un champi quelque part. C'est obligé. Ok, il n'y en a pas. Ah, j'ai survécu. C'est bizarre. Voilà. Ouf. Alors ça. Ça, c'est vicieux. Ça aussi. Voilà. La fin est là. Voilà. Super. Bon, parfait. Ouf. Oh, c'était vraiment pas simple, encore une fois. 3 étoiles. J'aurais bien voulu avoir l'arc-en-ciel aussi. Faut pas trop en demander. Donkey Kong. 4-1. Oui, c'est le niveau 4-1, ouais, peut-être. Ballon de fight, tiens. Normalement, je le sens pas le ballon de fight, mais là, ok, juste éliminer l'ennemi. Truc basique. Éliminer l'ennemi encore. Avec 89 secondes. Ne regonfle pas ton ballon. Voilà. Bon, là, par contre, j'ai perdu énormément de temps. Oh non. C'est une blague. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. C'est le parachute qu'il faut toucher, c'est pas lui. Parce qu'il faut crever le parachute. Enfin, faut percer le parachute, pas lui. Tant pis. J'aurais presque pu avoir arc-en-ciel si j'avais mieux joué. De toute façon, arc-en-ciel, ça fait pas gagner d'étoiles en plus, donc c'est pas grave. Encore un ballon de fight. Et là, par contre, j'ai l'impression que c'est un ballon de fight, mais un niveau. Ça, j'aime pas trop. Oh mon dieu. Ok. Oh! Avec du zoom. En fait, ouais. Plus. Dès qu'on éclate des ballons, ça dézoome, mais sinon, ça fait que de zoomer. Merci de pas me donner le ballon. Voilà, là, ici. Il faut pas descendre trop bas parce qu'il y a le poisson. Voilà. Ouf. Pas simple. Enfin, quand même plus simple que précédemment. Super. On gagne souvent des tampons, c'est cool. Donc ça, c'était un... Comment carapeur? C'est un carapeur, c'est ça. 15 secondes et il a gagné l'arc-en-ciel. Ouais, il a bien joué. Franchement, pas mal. Qu'est-ce que j'ai pas encore bien fait? Bon, on va aller faire ça. Qu'est-ce que c'est? Faites éclater 10 ballons. Ah, c'est la zone bonus, je crois. Voilà. Normalement, ça, je sais pas pourquoi, mais je m'en sors toujours un peu mieux. Voilà. Allez. Plus qu'un, voilà. Bon, ça, c'était vraiment pas bien dur. Pas arc-en-ciel? Oh, dommage. Peut-être à une seconde près en plus. Mario Bros. Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver cette fois? J'ai déjà 77 étoiles. Pas mal. Alors, éliminer tous les ennemis en protégeant Luigi. Oh. Ouais, sauf que Luigi, t'as pas intérêt à aller n'importe où. Allez. J'ai pris du retard, ça c'est pas bien. Allez. Voilà. Allez, donc là. Voilà. C'est les deux derniers, on dirait. Oh bah c'est bon. C'était pas bien difficile non plus. Même si avoir l'arc-en-ciel là-dessus, ça doit pas être simple. Ah dommage, tout près du tampon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un mix de ballon de trip et Mario. Ramasser 3 pièces dans le temps imparti. Ah, 3 pièces! Juste 3 pièces. Non mais c'est bon. Reviens. Ah. Voilà. Ok. Oh, ramasser 3 pièces dans le temps imparti encore. Ok. Oh non. Oh la feinte! Ça, c'était bien joué. Voilà. Bon, j'aurais pas un très bon score, je pense. Je
comprends pas. Ouais. J'ai pas trop compris le délire avec B. Éliminer 10 ennemis dans le temps imparti. Mince. Oula. Pour l'instant, je m'en sors pas très bien. En plus, là, j'ai mal géré mon saut. Oula. Mais oui, je m'en sors très mal, même. Voilà. C'était moins une. Pas simple, ce petit mix, mais bonne idée. Très bonne idée, même. Allez, oh, Link. Donc là, j'ai peut-être débloqué d'autres jeux, non, même pas. Bon, ok. Super Mario Bros, qu'est-ce que c'est maintenant? Éliminer 7 ennemis en temps invincible, ça j'aime bien. C'est marrant parce qu'ils font plein de trucs qu'on aime bien faire dans les Mario, justement, et là, enfin, dans les Mario et dans les autres jeux, puis là c'est concentré, donc c'est pas mal. Ok. Éliminer 15 ennemis en étant invincible. J'aurais peut-être dû aller chercher l'ennemi qui était derrière moi. Voilà. Oh mince. Mince. J'aurais dû effectivement prendre l'ennemi qui était derrière moi. Ah non. Oh mince. Faut juste que je perde pas trop de temps en fait. Ok, là non, je pense que je peux le passer ce passage. Enfin, je peux sauter suffisamment bien pour le passer. Oh non. Ah ça, mais. Ça m'énerve quand ça arrive ça. Voilà, ok. Donc en fait c'était pas si dur. Allez, sauf que là je le connais pas donc. Mince, dommage. Dommage. Si j'avais eu plus de vie, ça aurait pu le faire, mais là non. Allez, ah bah je recommence là. Ok, mais à quoi ça sert en fait d'avoir 3 vies? Je pensais que quand on perdait nos 3 vies, on recommençait du début. Ça j'aime pas trop. Mais c'est vraiment. C'est la physique de Super Mario Bros, quoi. On peut pas lui en vouloir, hein. En même temps, Mario. Super Mario Bros, c'était. Enfin, c'est Super Mario Bros, quoi. Je pourrais jamais critiquer Super Mario Bros. Ça a une physique assez énervante, mais c'est le seul défaut. Ah, c'était ça, en fait, si on. Ok, donc il y avait un commentaire qui me disait si je reprends à partir de. Donc, si j'ai un game over, en fait, je peux plus avoir qu'une seule étoile. C'est ça. Atteignez le drapeau. Ça, j'aime pas du tout. J'aime pas parce que c'est toujours des trucs pas simples. Ok. Et je peux pas faire demi-tour. Bon. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a un problème. Ah bah c'est bon, ok. J'allais dire, il y a un problème de sensibilité avec le bouton A. C'est possible en même temps. Mais. Oula! Non, oh non, c'est une blague. Bah, ah, faut atteindre le drapeau, pas le haut du drapeau. Ok, bah ouais, d'accord, fallait le dire tout de suite. Ça, par contre, ouais. Mince, c'est une blague. Là, game over. Je peux recommencer du début, non? Voilà, je vais recommencer du début. De toute façon, ça va me faire gagner comme ça plus d'étoiles. Mais c'est pas dur, Bowser. Je sais pas pourquoi là j'ai. Je sais pas pourquoi là j'ai mal joué. Allez. Donc là, allez, on se. Pas la peine de faire le. Fou, mon dieu. Ah, c'est énervant. Allez. Ah, et en plus, cette fois, je l'ai. Donc là, je vais pas y aller trop vite. Je vais y aller même par au-dessus, là, par la plateforme. Voilà, tout simplement. Pas la peine de se presser comme j'essayais de le faire tout à l'heure. Le petit Toad. Je sais que leur princesse est dans un autre château. Voilà, bon. On va faire ce dernier remix et après je vais vous laisser là. Oh, Excitebike. Donkey Kong, apparemment. À l'envers, j'ai l'impression. Ah oui, Mario a été kidnappé, parti à sa rescousse. Ok, donc là c'est Luigi qui doit délivrer Mario. Waouh! Bon, c'est le même niveau à l'envers. Hein. La difficulté n'a pas changé. Ouais. Et mince. Je me fais toujours piéger ici. Tout
temps. C'est horrible. Allez, voilà. Ok, là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Mais ils aiment bien me troller, les petits tonneaux. Allez. Voilà. Allez. Bon, ça va. Pas mal, pas mal. Luigi qui sauve Mario. C'est un petit clin d'œil à l'année de Luigi, non? Voilà. Alors, bon, eh bien, on va en rester là pour ce deuxième épisode de mon display de NES Remix. Et je continuerai à sortir un épisode journalier jusqu'à ce qu'on ait fini. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Le jeu a l'air d'être pas très long, mais pas très court non plus. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à demain. Bye!